Voilà donc la maison du génie. Psa ! Mais c'est quoi ce délire, ben, psa ! Mais c'est quoi tous ces conneries ? Apparemment, ils veulent jouer à la balle. Quoi ? Ils veulent essayer de faire en sorte comme, de se comporter comme des balles. Arrêtez de vous comporter comme des gamins. Ça suffit. Bon. J'ai mal. Je me demande pourquoi est-ce que tu as recruté ce crétin. À ton avis, parce que j'en ai pas d'autres de compétents. Enfin bref, donc votre plan, enfin nos plans, est de creuser jusqu'à ce qu'on puisse atteindre jusqu'au génie. Est-ce que tu as prévu à quelque chose pour capturer le génie? Absolument tout, mais je préfère le révéler plus tard. Stop! Qui a dit ça? C'est pas moi. Moi, je fais que suivre des ordres. Oh! Il y a la non-infection! Quoi? Qu'est-ce que... Vous voulez essayer de capturer le génie? Chantez! Ce serait pas une fille qui doit être moitié génie? Oui. Et vous devez être les malfaiteurs. Comme tu es vraiment attentionné, ma belle. Et en plus de cela, tu es de psy, si je comprends bien. Wow, tu es vraiment sexy, toi. Waluigi la ferme. Eh ben, vous êtes franchement mal paré, parce que je suis là pour protéger mon père. Ton père? Bah ouais, logique, c'est le génie. Mais pourtant, pourquoi tu es pas bleu comme un schtroumpf? Je t'en pose, moi, des questions. Ah bah, c'est mal barré, parce que là, hypnose... Quoi? Alors, c'est quoi le plan, maître Junior? Waouh, je pensais que c'était de moitié génie, mais à ce point de se laisser hypnotiser par un Pokémon comme toi... Je sais hypnotiser tout le monde. Enfin bref, Chantel, si tu vois Mario, ou ainsi que la bande à crétins, éliminez-les tout de suite. Ou, en politesse, fais en sorte de les humilier. À votre service. Par contre, je me pose des questions. Pourquoi Mario et Luigi sont immunisés contre cette hypnose? Peut-être qu'ils ont eu confiance en leurs amis. Ouais. Attends, quoi? Sérieux? Oui. La confiance. C'est là le véritable raison pour que j'ai pas réussi à les faire hypnotiser. Alors que la plupart des personnes, j'ai réussi à hypnotiser parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance en leurs amis. Voilà qui en est intéressant. Hein. Ce qui explique avec Coco Lapin ou bien encore les autres. On pourrait essayer d'embrouiller l'amitié à Mario et Luigi. Là, Waluigi, pour une fois, cette idée est géniale. Ah ouais, mais mon idée est toujours géniale, hein. C'est parce que tu es un gros jaloux. Ah, qu'importe. De toute façon, notre priorité, c'est capturer le génie. Allez, on doit creuser pour atteindre à nos destinations. Je sais pas combien de kilomètres on a parcouru pour arriver jusqu'ici, mais on y est enfin. La maison du génie. Ouais, on peut être fiers de nous. Oh, je sais que je suis le plus fort des ours dans la région, mais j'ai pas habitué à marcher beaucoup. En tout cas, cette parcours nous a apporté à une belle fruit. J'espère qu'à l'intérieur, le génie va nous autoriser qu'on puisse prendre le coca. Mario! Oh. Enfin, en tout cas, une fois qu'on aura parlé avec le génie, on va pouvoir devenir plus fort pour battre Bowser Jr. et les autres. Pardon. Ça va pas? Je te rappelle quand même qu'il fait la tête parce que le fait que tu l'as engueulé. Vous savez même... Vous savez très bien que ce Luigi m'avait... Que ce Kirby m'avait abandonné. Luigi... Oh là, qu'importe. Bon, enfin, de toute façon, on va pouvoir...
si on va reprendre les souffles, entrer dans cette maison. Là, je suis pas vraiment d'humeur à combattre. Quoi ? Vous êtes Mario et Luigi ? Et vous autres, vous êtes amis ? Dans ce cas, je vais vous faire du mal, par ordre de Bowser Junior. Alors là, c'est clair et net, il a été hypnotisé. Non ! On est fatigué pour ça. J'arrive pas. Pardon. On dirait que seul Kirby est assez en forme. Et si on éditait le champignon qu'on avait trouvé? Je te rappelle quand même qu'on doit éditer une fois par jour. Et on n'est même pas encore... On n'a même pas encore fini la journée. Eh merde. Ce qui voudrait dire qu'on doit se relever pour battre. Mais j'ai même pas assez d'énergie. Est-ce que l'un d'entre vous avait assez d'énergie? Ouais, mais je dois admettre que mon encre est assez vide. Donc là, je suis désolé, mais je peux rien faire. Oh, la détermination de Kirby m'a permis de me faire relever. Oh, Kirby, je vais t'accompagner pour le combat. Grizzly, je suis désolé. Mais là, je peux rien faire du tout. C'est pas grave. On va devoir battre cette fille. Fight! Bouclier de génie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais on dirait qu'elle est prête à tout pour se protéger. Ok, j'ai qu'un point de pierre. Oh, ça a l'air d'être fissuré. Super, Kirby, qu'est-ce que tu fais? On doit vite trouver un moyen de battre. Payon. Qu'est-ce que tu fais là? Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, Kirby? Payo! Hey! Laisse-moi sortir de cet estomac! Tonnerre de feu! Quoi? J'ai mal partout! Payo! Oh! C'est pas assez si fissuré. Bon, je vais devoir utiliser l'attaque fracasse-tête. Ma tête. Oh, c'est bientôt détruite, cette bouclier. Pied brûleur. Kirby, détruis cette bouclier une bonne fois pour toutes. Payon. Ça y est, le bouclier est détruit. Bon, il est grand temps d'en finir. J'ai qu'un point de bière. Ok. Sois. Elle a récupéré ses PV. Oh, et moi, j'ai pas beaucoup... J'ai plus beaucoup de capacité de points de... Oh. On est vraiment dans la misère. Ça y est, tu l'as paralysé. Bien joué, Kirby. Mais c'est pas en partie moi qui m'avais aspiré. Ok. Encore une fois, Giga Pierre. C'est la dernière. Très bien. J'envoie la tête ultime. Feu de génie ultime! C'est quoi cette boule de feu totalement bizarre? Kirby! Non! Non! C'est ça entre toi et moi! Je veux pas faire du mal à une fille! Alors pourquoi tu fais du mal quand même? C'est parce que j'ai pas le choix. Oh là 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 là, je sens que ça va être franchement la misère. Oh, j'ai même plus beaucoup de... Bon, c'est une attaque assez dangereuse, je dois admettre. Mais si c'est pour battre une bonne fois pour toutes, fracasse-tête! Je vais
vais bientôt utiliser soin pour récupérer mes énergies. Oh, j'ai plus beaucoup d'énergie. Oh là 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 là, je suis vraiment foutu. Oh, je crois que je n'ai pas le choix. Grizzly, qu'est-ce que tu fais? Je vais devoir utiliser l'attaque, fracasse-tête, mais à fond la caisse. K.O. Ouais, Grizzly a battu Chantey. Oh, j'ai mal. Je suis fatigué. Tu parles, mais tu n'as rien foutu pendant tout le combat. Mais arrivé, bon sang. Qui êtes-vous? Moi, c'est Mario, lui, c'est Pen, Luigi, lui, c'est Kirby, Marisson et Grise, mais sous le nom de Grizzly. Et là, on est fatigué. Ah, à ce que je vois, vous avez fait tout ce chemin. Et vous avez, et tu as même mis KO Kirby et fatigué Grizzly. Quoi? Ça explique pourquoi j'étais hors contrôle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré Bibichute et Bowser Junior. Je sais même pas où est-ce qu'il est, mais en tout cas, il va regretter. Est-ce que tu pourrais utiliser soin pour... Parce que là, on est fatigué. J'espère que vous n'êtes pas celui que vous voulez faire du mal à Génie. Non, justement, on aimerait demander quelque chose à Génie. Pourquoi? Pour qu'on soit devenu plus forte. Quoi, Enfin, de toute façon, puisque vous avez fait tout le chemin pour venir ici... Bah, ça mérite d'être des soins partout. Oh, je me sens en forme. Merci, Chantey. Ça fait vraiment plaisir. Bon, maintenant on peut voir le génie. C'est ça ce que tu penses à tête, le génie. Tu sais très bien pour devenir forte. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chantey. Tout ce chemin jusqu'ici, c'était franchement fatigant. Je te le fais vraiment pas dire. Mais vous mériterez quand même à ce qu'on vous envoie, au vide des voyageurs. Je me demande si le vide des voyageurs a rétabli la maison, enfin, leur ville, maintenant que Flamme Rose est partie. Quoi, Flamme Rose? Oh, je te jure. Enfin bref, si vous voulez voir le génie, entrez. Mais ne faites pas de mal. Non, c'est pas notre but, de toute façon. Papa? Oh, ma fille! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ne dis pas ma fille! Tu sais très bien que je suis plus une bébé! J'ai des compagnons qui veulent te rendre visite! Oh, comme c'est intéressant! J'espère que c'est pas des compagnons qui veulent faire du mal! Non, ils veulent juste te parler! Oh, c'est très bien! Bon, quand on les fasse entrer? Ils sont déjà entrés depuis longtemps! Oh, d'accord! Bon, bienvenue, vous autres! Bonjour le génie. Oh, Mario, Marisson, Luigi et les trois autres que je connais pas. C'est Kirby, Grizzly et Pen. Ouais, salut génie. Alors ça faisait alors c'est donc toi qu'on en parlait. Wow, tu serais pas le schtroumpf génie? Non, parce que tu as un corps bleu. C'est n'importe quoi. Je suis un génie, mais pas un schtroumpf. Enfin bref, génie, on a vraiment pas le temps à perdre. Pourquoi? On voudrait te demander à Sirius. Il voudrait que tu nous donnes les pouvoirs supplémentaires pour qu'on puisse réussir à battre Bowser Jr. et les autres. Quoi? Je suis désolé, mais c'est pas vraiment comme ça marche. Quoi? J'ai quand même la solution à votre problème. Pour devenir fort, il faut vous entraîner. Sans deck? Bah ouais. Mais génie, tu es vraiment le plus fort. Tu es moi-même l'un des combattants les plus forts de tous les types-ci. C'est ce que tu viens de dire est vrai, mais c'est pas pour cette raison pourquoi je peux pas. Parce que moi, je suis de type psy. Toi, tu es de type plante, tu es de type normal, de type électrique, de type feu, de type roche et de type normal aussi.
Je peux pas me permettre de donner les pouvoirs alors qu'ils ne correspondent pas à votre team. Ça n'a pas de contest. Oh, c'est pas vrai, on a fait tout ce chemin pour rien. Bah, au moins on s'est fait un ami. C'est tout ce que tu retiens? Mais on a quand même un champignon. Oh ouais, c'est vrai, on a fait un ami. Mais on n'empêche qu'on a fait tout ce aller-retour pour rien. Alors, ça veut dire que je compte pas vraiment? Non, 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 tu nous comptes vraiment, Grizzly. Je te rappelle quand même que tu as réussi à battre Shantae ainsi que les autres. Quoi? En fait, Shantae a été hypnotisé. Hypnotisé? C'est vrai? Par un certain Bowser Junior. Bowser Junior? Oh! En tout cas, si tu as repris conscience, ben c'est quand même bien. Merci Grizzly. Oh mais de rien. Mais ouais, ceci. Mais ouais, merci Grizzly. Mais pas merci à toi, Jenny, parce que malheureusement, on a fait tout ce chemin pour rien. Eh, au moins ça nous a permis de devenir un peu plus fort. Je te rappelle quand même que Kirby s'est fait battre comme une merde par Shantae. Non, Kirby, ne l'écoute pas. Tu as fait ton mieux. Tu as réussi à battre Flamant Rose. Tu as même fait ton mieux pour battre Shantae. Mais sauf qu'il m'a abandonné. Oh, maintenant tu remets avec ça. Arrêtez de vous disputer. Ça devient ridicule à bout d'un moment. C'est pas en se disputant que ça va arranger les choses. On n'a qu'à concentrer sur le fait que Bowser Jr. est... Attends, je pose une question par contre. Shantae, tu as vu où Bowser Junior? À côté du maison de... J'ai dit... Hein? Et on a réussi à... J'en ai marre! Arrêtez vos conneries, merde! Oh! Bowser Junior! Waouh, waouh, waouh! Oh non! Oh! Waouh, waouh! Hey! Hey, on s'est même pas préparé! La vache, pour une fois, la connerie de Wario et Waluigi nous a rapporté les fruits, hein. Oh, Bowser Junior, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est très simple. On est venu pour capturer toi. Capturer moi, génie? Je te l'y empêcherai. C'est pas vrai, cette bête, elle fait tout pour faire n'importe quoi à notre projet. Peut-être. Mais en tant que fille de demi-génie et responsable du génie, je suis en obligation de protéger mon père. Ton père, mais ouais. Mais ne me dis pas que ton père doit être sérieux avec ta tête de tronche. C'est pas gentil ça. Justement, je suis pas fait pour être gentil. Alors là, tu dépasses les bornes. Shantae, fais en sorte de régler le compte à Bowser Junior. Pas sa geste. Ah bon, et pourquoi? Parce que ça... C'est quoi ça? Ah, non, ah. Oh non, ma fille! Waouh! Comment t'as fait ça? Je sais pas. C'est une lampe de génie. Oh non! La lampe maudite! Avec cette lampe, vous pouvez faire n'importe quoi avec un génie! Mais c'est une moitié génie. Comment elle est faite pour entrer dans une lampe? Qu'importe. De toute façon, on a capturé cette Shantae et on a le pouvoir. Oh, le pouvoir! Regarde, je suis utilisé ma lampe. Mitonnage, mais pas de pouvoir. Abruti, c'est une façon de parler. Enfin bref, génie, on a juste besoin de toi. Fais en sorte à ce que notre château soit encore plus dangereux et à ce qu'on soit encore plus puissant. Non! Je suis un combattant de type C. Mais moi aussi, je suis de type C. Il est hors de question que je donne des pouvoirs malfaiteurs, surtout toi, Bibichute. Hypno. Oh. Mais pas. Parce que tu as confiance envers ta fille. Quoi? Rendez-moi ma fille! Ou sinon ça va franchement mal passer! Ah, je suis désolé de dire ça, mais si tu veux qu'on rende ta fille, il faudrait que tu échanges la place. Non! Refuse le génie! Ah, je vais devoir régler nos comptes! Pied brûleur! Hé, hey, la lampe, utilise le pouvoir super méga machiavélique!
Quoi? Mais c'est le pouvoir de chanter! Voilà qui en est intéressant. Eh, est-ce que ce serait vraiment possible de les faire téléporter, chaque compagnon, dans les quatre coins de la région? Que quoi? Marisson! Non, Luigi! Qu'est-ce que... Non! C'est quoi ce bordel? Non, pas Wario, il fait partie de notre équipe. Waouh! Non! Non! Cette fois, tu dépasses les bornes. Oh, psychoboot! Bouclier génie! Non! Écoute, Jenny, on a quand même un marché. Si tu veux revoir ta fille, tu vas devoir entrer dans cette lampe. En revanche, si tu refuses, on va la garder. Je veux pas que vous fassiez du mal à ma fille. D'accord, j'accepte ton marché. Très bien, on libère Chantal. Non, papa! Bande de l'ordure! Hypnose! Oui, je vais suivre votre plan. Celle-là, il n'a quand même pas vraiment confiance envers qui que ce soit. Mais à part son père, ça c'est vraiment bizarre. Vous l'avez peut-être trop pas remarqué, mais Luigi a disputé et il a porté votre Kirby comme un fiote. Ah, tu crois ça? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, tu as pas entendu leur conversation? Voilà qui en est intéressant. Luigi est donc le seul à ne pas avoir confiance en ses amis. Voilà qui serait vraiment intéressant. Ouais, et donc non seulement on va pouvoir faire une équipe de 7 avec Chantey, mais en plus de cela, ça va nous faire renforcer notre équipe. Et comme ça, Mario ne fera pas le poids contre moi. Et moi, Bowser Junior, je vais prouver à tout le monde que je serai capable de faire un truc machiavélique. 7? Mais je... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, cette fille fait partie de notre équipe? Ouais, vu qu'elle propose une potentielle plutôt intéressante. Ah ouais, en effet. Maintenant, il faudrait qu'on cherche Luigi et qu'on va essayer de nous manipuler. Ça plaît très bien à ton plan.